Moi, je voulais partager un verset que moi tiré dans le psaume que mes parents t'ont montré moi dans ma petite enfance avant moi aller dormir dans le psaume psaume 3. Je m'a demandé aux techniciens donc à accompagner la voix du prédicateur s'il vous plaît. Psaume 3, verset 4. Psaume 3, verset 4. Alors, bon, je lis tout psaume, non? Parce que moi, je dis que c'est un psaume que mes grands-parents et mes parents ont fait dormir ensemble avec les soirs. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi? Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est thème pour ce maintenant, ô Éternel. Relève ma tête, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Moi, découvrir dans le psaume ça, le Dieu du relèvement. Mon Dieu, qu'on levé tête moun. Même si tu as oublié tout ça que dit pendant matinée ça, songez psaume 3 verset 4. Ô Éternel, relève ma tête. Ô Seigneur, levé tête moi. Laissez-moi saluer un collègue pasteur que nous gagnons dans MEBSH, c'est le pasteur Desrami et qui semaine passée, madame ni décédée, funérailles ont été faites hier dans la côte. Nous saluons, dans Roche Abato, nous saluons pasteur Desrami et nous avons souhaité que bon Dieu la console. Nous voulons aussi saluer notre sœur Gerda Misère, c'est la petite sœur de l'ingénieur Péniel Misère, qui est lié à un jeune garçon de 24 ans et qui a assassiné lâchement aux États-Unis. Donc, nous saluons Sœur Gerda et nous présentons nos sincères sympathies. Ô Éternel, relève ma tête. Gain des situations que Jean t'a prêché, je pense que David t'a prêché, et bon Dieu, levez-nous. Les WAP vivent en situation de honte officiellement, publiquement et même secrètement. Dans le psaume 3, David, c'est Yoa, le roi David, qui gagne son fils Absalom. Dans 1 Samuel, dans 2 Samuel, depuis chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Petit David renversé, David dans le royaume, dans la royauté. David a vécu en situation de honte. Il a perdu la royauté. Deuxièmement, il a perdu le principal conseiller, Zamilio. Gon vide qui fait autour de David. David obligé à cacher.
Si n'a caché ça, David assiégé par les hommes de son fils. Propre petit living en mille. Et gen yon nan moun ki t'ap servi David, yo kal joine Absalom, Shimei, et kounya ki ap insulté David. Dans version français courant, dans psaume 3, verset 4, il dit, Seigneur, rends-moi ma dignité et ma fierté. Fais-moi encore marcher la tête haute. Parce que je me sens marcher tête en bas. Moi, perdu, bonheur et honneur, moi. Frère avec Samuel, li kon arrive des fois que moi ensemble avec n'a connait les travers et les revers de la vie. Nous senti c'est comme si Jean Haïti a vive li là, n'a connait une descente aux enfers. Nous n'en fatra. Ou pas besoin dire pas vrai, marcher dans rue Port-au-Prince soit ouais. Nous n'en fatra. Au moins, si fatra est fumier, parce que dans Somme 113, David dit fatra son fumier, et bien non fumier, on a levé, mais fatra pas nous, on a du fait là-dedans. Nous n'en fatra, nous n'en poussière. Encore, Somme 113, il dit, de la poussière, Dieu retire le pauvre. Nous n'en fatra, nous n'en poussière. Nous n'en fumier, nous n'en diffé, nous n'en l'affimé. Vous connaissez verset ça, psaume 30, psaume 3, verset 4. Verset ça, son verset qui montrait que bon Dieu le était. Bon Dieu qu'on baille petit lit, servitel à servante lit. Et là encore, bon Dieu qu'on fait moun camper encore. Bon Dieu qu'on fait nation camper encore. Bon Dieu qu'on fait l'église camper encore. Bon Dieu qu'on fait une communauté camper encore. Bon Dieu qu'on fait une famille camper encore. Combien moun qui senti matin que nous tête baissée, nous baisser les chines. Parce que c'est un petit lien dans Luc chapitre 13, il y a une femme qui a gagné dol baissé pendant plusieurs années, pendant 17 ans. Nous têtes baissées devant notre monde. Nous baissons les chines devant notre nation. Nous têtes baissées devant manger. Nous têtes baissées devant cuisse avec zèle poule. Nous têtes baissées devant du riz. Nous têtes baissées. Nous n'en poussière. Nos petits enfants a dit qui a venir pour yon ti adolescent en Haïti a venir nous n'en poussière. Famille nous n'en poussière. Espérance nous n'en fumier. David tape qu'on est en situation comme ça. Et David, côté David caché, il est assiégé par des myriades d'ennemis. Et puis David, et pour les samedi, on découvre matin, David va découvrir un bon Dieu qui a levé mon encore. Un bon Dieu qui a fait mon camper encore. Première observation que je veux faire dans le texte là, dans le psaume, c'est que bon Dieu qu'on nous retire poussière. Ou pas qu'on est. Lors voyager à la province, côté par un asphalte, dans pile poussière, ou des petites camionnettes, et puis lors ici descend des camionnettes, tout cheveux, tête, plume, géo, radeau, c'est poussière. David découvrit, il y a un bon Dieu qu'on retire poussière sous petite lit. Alors, première observation, c'est que bon Dieu pas retirer poussière
pour n'importe qui. Bon Dieu, pas lever tête n'importe qui. Bon Dieu, lever tête moun qui mettait confiance dans lui. Bon Dieu, lever tête serviteur avec servante liyo. David priait dans le psaume. David dit au Éternel que mes ennemis, regardez chiffre, David a fait chiffre, oui, mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude qui levait contre moi. Moi-même, mon seul, et puis une multitude qui levait contre moi. Et puis non seulement ils ont levé contre moi, dans verset 2, ennemi a fait pronostic. Qui pronostic que le fait? Plus de salut pour David auprès de Dieu. Qui pronostic que le fait? Plus de délivrance pour cette ville. Qui pronostic que le fait? Cette fois-ci, dans l'Orsa, nous récits pas sorti. Grand monde 70, 80, 90, il dit à travers l'histoire du pays, c'est pour la première fois que nous connaissons une situation comme ça. Et puis, il y a un monde qui dit il fait pronostic, il dit non, pape, non, pape, sorti. Il y a tellement de fois, il dit il y a deux verbes qui traversaient Haïti, je dis hein? Le premier verbe, c'est partir. C'est partir. Ou bien, ou pour un autobus, ou à Saint-Domingue. Ou bien, ou prend avion, ou al dans le pays CARICOM, ou bien, sous ka prend avion, ou prend bâtiment, ou prend avion, ou aller dans la côte Floride, yo, yo dit, ça c'est le premier verbe. Le premier verbe, c'est moun ki kapabwi, y a conjugué le verbe partir. Ça, qui pa ka fè li yo, yo dit, gon deuxième verbe pour conjuguer, ouais, dans soya, ou a conjugué le verbe mourir. Entre mourir et partir. Mais pronostic, ouais, ennemi a fait pronostic. Il dit David, pas oublier, le Dieu du relèvement qui ça le fait. La première chose, il relève ses enfants. David allait, les David tendait le pronostic de cette multitude, le pronostic de ses ennemis. David dit, et où même Seigneur sort dit dans ça. Frère avec Seigneur, on a le côté bon Dieu pour nous dire bon Dieu, qui ça le dit dans situation ça. Mais toi, ô Éternel, mais toi, ô frères et sœurs, dans le pays l'Orsa, il y a un allié sûr, c'est l'Éternel. Qu'on seul allié qu'on a joint, c'est l'Éternel. Dans le pays qui est à côté, Thibaut qui de l'eau vend 15-20 dollars. Dans le pays ça à côté, qu'on est là, un petit camion de l'eau vend 10 000 gouttes. Dans le pays ça à côté que. Gallon gasoline vend au Caï 1200 dollars haïtiens. C'est l'allié sûr que nous cajouons, qui a levé tête nous encore si c'est l'Éternel. Moi, je dis que il n'y a pas levé tête n'importe mon nom. Il n'y a pas levé tête n'importe mon nom. Il relève la tête de ses enfants. Pour qu'ils ne soient pas levé mon, vous dites Seigneur, levé tête moi encore. Ou David dit dans le psaume, ô Éternel, tu relèves. Bon Dieu prend mail pour retirer poussière, poussière la vie, poussière péché, poussière insécurité, poussière misère, poussière désespoir. Bon Dieu capable de dépoussiérer votre avenir. Bon Dieu capable de dépoussiérer votre famille. Oh, mais toi, Éternel, sois allié sûr. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Et ça fait, c'est seul où me chercher de ma voix. Je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Le Dieu du relèvement, qu'est-ce qu'il fait? Il relève la tête. La tête de qui? La tête de tout le monde? La tête des Haïtiens? La tête des Blancs? La tête des rouges, si des hommes de couleur il y a pas de, nous sommes tous des hommes de couleur, pas de noir, pas de rouge, pas de blanc. Dieu a fait de nous des hommes de couleur. Et bon Dieu prend terre, fait nous tous les mêmes gens.
Bon Dieu a cherché les gens qui tête. Jésus rentré dans la synagogue là, il a fait service et Jésus joint une femme tête baissée pendant 17 ans. Jésus pas occupé ni chef synagogue là, ni pasteur, ni diacre, ni personne monde, pas parce que monde ça pas important, mais Jésus dit gon femme que me vienne redresser matin. Le Dieu du redressement vient redresser petite les matins. Deuxième observation que je fais dans le psaume, je m'arrive dans verset 6. David entouré, David fait, ouais, David fait pronostic, David gardé lui, nombreux, ennemis nombreux, multitude, et puis David tendait sa moun, il a dit, cette fois-ci, nous réciprons. Cette fois-ci, le récit pas chapé. Cette fois-ci, le récit pas sauvé. Cette fois-ci, le récit pas délivré. Cette fois-ci, le récit pas caprié. Non seulement le Dieu du relèvement relève la tête de ses enfants, mais deuxièmement, le Dieu du relèvement, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une pleine assurance. Verset 6. Ça, c'est le David, tête David fin levé, les têtes étaient baissées, il n'y a pas qu'à dormir, qu'on a les têtes, les bons dieux fin levé, tête David. David dit, je me couche, je m'endors, je me réveille. Pour qui ça? Pour qui ça? Oh, pour qui ça? Mais ça veut dire, créole l'a dit, moi monte cabane, moi. Et pas tout le monde qui a monté cabane. Dans ça n'a pas passé là, et pas tout le monde qui a monté cabane, non? Si à soi on monte cabane, on dit mon Dieu merci, oui. David dit, d'ailleurs, dans le gros côté lié, il n'y a pas de cabane. Peut-être son dormi douce, peut-être son acte, peut-être son feuille banane, peut-être baronin, c'est à même le sol. David dit, moi monte cabane, moi. Pleine assurance, oui. Même si il y a une multitude, je monte cabane, moi. Même si. Il y a nombreux, m'a monté cabane moi. Même si il y a fatra, m'a monté cabane moi. Même si il y a difé, m'a monté cabane moi. Même si il y a cartouche. Frères et sœurs, le bon Dieu levé, bon Dieu bon une pleine assurance. Les deux ont à chaud, mon gon pleine assurance. Si assurance ou commencez failli matin, ma proposons un allié sûr, c'est l'Éternel. Deuxième, non seulement monte cabane moi, créole l'a dit dormi prend. Ou de ça. Ou ka monte cabane mais dormi pas ka prend. Ou ka prend Valium mais dormi pas prend. Ou ka boit ti police mais dormi pas prend. Ou ka boit faire co sol mais dormi pas prend. Ou ka boit sirop mais dormi pas prend. Les mesures de dormir prend moi me fait un bon temps dans la lecture mes yeux me fatigué ou qu'on fait des yeux fatigué dans la lecture et pour monter cabane dormir pas prend. Frères et sœurs, le bon Dieu avait ou ni monter cabane coup de balle de mon roi gonflé. Ouais, dit fait et puis roi gonflé ou fait rêve. Quand mon qui dans dormir prend roi soir. Moi, tout ça, c'est psaume que mes grands-parents qui ont fait me dormir avec elles. Je me couche, je m'endors. Alors, qu'on est là, hein? Papi, ouais, en pleine assurance, oui. Moi, couché, moi, dormi. Et puis, il dit, m'appelez comment? Comment m'appelez le matin? Comment m'appelez le matin? En bien. Je me couche, je m'endors, et je me réveille. Ça, c'est mon bon Dieu, levé tête, oui. C'est mon bon Dieu levé, et pas mon qui tête en bas, non? Et pas mon qui a baissé les chines devant n'importe bagaille, non? Hein? Et pas mon qui a baissé tête pour une durée, non? Et pas mon qui a baissé tête pour fatra, non? Hein? C'est mon qui croit en mon Dieu et qui était bon Dieu levé tête. David dit, moi j'ai pleine assurance. On a chanté ce matin, quelle assurance, je suis sauvé. Le Dieu du relèvement, il donne une pleine assurance. Une pleine assurance dans mitan Port-au-Prince. Une pleine assurance dans un loc à l'extrême. N'ap vive un loc à l'extrême. Une pleine assurance
nan kote k pa gen de l'eau. Heureusement, bon Dieu, chaque coup de l'eau a piché, bon Dieu fait la pluie tomber. Moun ki pa ka acheter camion de l'eau 10 000 goudi yo, nous plein de l'eau nan doum. Après ça, nous mette Clorox là dans li et puis bâton. Vous savez, les bon Dieu a baillé de l'eau par là, et pas qu'à wach, non, mais bon Dieu fait. Et pas qu'à wach pas si bon Dieu fait, non. Les bon Dieu a baillé de l'eau par là, tout le monde bien. Blanc bien, noir bien, vêt bien, moun riche bien, pauvre bien, femme bien, timoun bien, garçon bien. David dit avec cette pleine assurance, le bon Dieu fin levé tête moi, je me couche, je m'endors, et je me réveille pour qui ça? Car... On finit. L'aimerie venant à partir du verset 7, dit, ouais, le Dieu du relèvement. Hein, il relève ses enfants. Il pas levé tête n'importe mon nom, il levé tête moun qui mettait confiance dans les petits. Il levé tête serviteur, il levé tête servante. Il pas levé tête moun qui a Bible, non. Hein, il pas levé tête moun qui a verse, non. Il levé tête moun qui met confiance dans lui. Moun qui fidèle, moun qui intègre, moun qui attaché à lui, c'est moun qui a levé tête. Deuxièmement, l'elfine levé tête tout libon pleine assurance. Et puis troisièmement, finalement, l'elfine levé tête tout libao en nouvelle vision. Regardez ça. Dans le verset premier, David dit, mon accompagne Absalom, oui, que mes ennemis sont nombreux. Et David tend des pronostics, plus de salut pour David. Mais dans le verset 7, là qu'on a les bons dieux fin levé tête David. David dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Ils sont nombreux, même pas peur. Ils sont en pile, même pas peur. Pour qui ça? Parce que bon Dieu avait moi. Ça qui avait maintenant plus, parce que ça qui pas avait non. Ou te mettre pas avec, mais bon Dieu avait. Bon Dieu, by David, est-ce qu'on voulait quitter bon Dieu? Renouveler vision. Dieu, le Dieu du relèvement, il renouvelle la vision. Il prend le montre que sans quoi qu'il y ait de mien, pas un ça. Sans penser qu'il faut payer, pas un ça. David dit, je ne pas payer encore. David ne peut pas dire Absalom, je ne pas payer encore. David ne peut pas dire Absalom, bon Dieu, retirez-moi dans la poussière. Bon Dieu, levez tête, moi, je ne peux pas peur encore. Bon Dieu, retirez-moi dans la fumier. Parce que l'habitude fait ça déjà. Bon Dieu, retirez-moi dans la main li, pour retirer poussière dans le géo, poussière dans la figure, poussière dans la vie de Simon. Il y a des gens qui ont poussière dans l'homme, il y a des gens qui ont poussière dans le cœur, il y a des gens qui ont poussière dans la vie d'adoration. Bon Dieu, longez ses mains de grâce pour le retirer poussière. Seulement, et ça veut dire la poussière parce qu'il dit Dieu relève ma tête. David dit garder à terre seulement. David ou pas jamais garder en l'air. David garder à terre. David garder le sol. David garder le vide. David garder le néant. Mais les bons dieux finis le vide tête. David garder moun. Ouais, bon Dieu finis lever tête. David, David ouais gloire bon Dieu. David ouais moun pain. Ils ont un pile, c'est vrai, mais ils n'ont pas un. Ils n'ont pas les forces, c'est vrai, mais ils n'ont pas un. Bon Dieu, plus. Bon Dieu, plus grand. Bon Dieu, plus fort. Ça qui avait maintenant plus fort, parce que c'est ça qui est dans le monde. Et puis, qu'on a, pas bien d'où, David gardait ennemi, il n'y a pas un. Qu'on a, David a dit dans verset 8, lève-toi, éternel, sauve mon âme. Mais ça, moi, je vais moi, je laisse ça dans le texte là. David demandait à mon Dieu pour le bail multitude ça, ce que j'appelle dans le texte un soufflet humiliant, un bon calotte. Tu frappes à la joue. Et pas où il dit non, hein? Frère. Mon Dieu, quand il est roche, mais mon Dieu, quand il est calotte. Dans Josué, il dit roche, dans le psaume 3. Bon Dieu qui a caloté tout le monde qui campait
compte avenir, compte futur, compte projet. Bon Dieu qui a soufflé et puis c'est un souffle humiliant. Mon qui humilié là, tu frappes à la joue et pas quelques noms, tu frappes à la joue tous mes ennemis. Bon Dieu, caloté tout ennemi nous. Ouais, il finit lever tête tout. Moun qui t'a fort baisser tête là. Bon Dieu, tapez le fort pour me citer ma sœur mémé. Bon Dieu, tapez le fort et bon Dieu, caloté dans le visage li. Tu frappes à la joue tous mes ennemis. Et puis, non seulement tu frappes à la joue tous mes ennemis, et puis il dit, non seulement bon Dieu qu'on bay calotte, mais bon Dieu qu'on casse dedans. Et pas moi dit, regardez ça dit, tu brises qui ça? Non seulement bon Dieu qu'on bay calotte, mais mon Dieu qu'on casse dedans. Non seulement bon Dieu qu'on bay calotte, bon Dieu qu'on casse bouche. Tu frappes à la joue tous mes ennemis. Waouh, son l'autre vision. Hein? Côté m'té, à me penser ces ennemis t'a frappé moins. Côté m'té, à me penser t'es plus passé moins. Mais les bon Dieu levé tête moins moi pas un ça. Moi bon Dieu plus. Moi même plus parce que bon Dieu même. Côté m'té, à me penser c'est que t'a vu une caloter moins. Les regarder moi c'est bon Dieu qui a tapé au fort. C'est bon Dieu qui a calouté mien, on dit ça, c'est un soufflet humiliant. Parce que John Daddy, un soufflet marassa. Tu frappes à la joue tous mes ennemis. Et bien, vous savez, David dit, non seulement, bon Dieu, tapé au notre visage, mais il dit, bon Dieu, cassé. Ça, mon Dieu, cassé? Ouais, mais sauve les dents cassées. Bon Dieu, cassé. Mais sauve les. Et puis, David dit, David dit, waouh, le salut est auprès de qui? Le salut, la délivrance est auprès de qui? Et puis il dit, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pour qui ça nous pas chanter matin? Mais qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes? C'est Jésus-Christ. C'est comme nous qui sentons matin, on en poussière. On a honte. On a fumier. On a fatra. On a la fumée. On a tintin. Je vous propose le Dieu de David, le Dieu du relèvement. La première chose qu'il fait, il relève la tête de qui? La tête de qui? On m'attendait, la tête de qui? Il lève tête moun qui mettait confiance. Deuxièmement, l'elfine lève tête, qu'est-ce qu'il donne? Ou pas l'église? Qu'est-ce qu'il donne? M'attendez, qu'est-ce qu'il donne? Il donne une plaine. Moun qui mettait dans Jésus, il y a confiance. Et ça fait David dit, même si bagarre la chaud, m'a rentré la caille moi. Même si bagarre la chaud, m'a monté cabane moi. Même si bagarre la chaud, les monté cabane moi, m'a gonflé. Dormi prendre, m'a fait rêve, m'a tiré coup de pied. Mais l'on a tiré coup de pied sur gen madame, gen mari, songe gen moun sur cabane nan, pas casser bouche seulement. Quitte bon Dieu casser bouche ennemi pour matin.